Bonjour la team, bienvenue dans ce nouveau tutoriel la famille. Il y a une option incroyable que je tiens à partager avec vous. Je vous assure que si vous, après ce tutoriel, vous n'arrivez pas à gagner un coupon aujourd'hui, vous vous désabonnez de ma chaîne directement. La famille, suivez intégralement du début jusqu'à la fin ce tutoriel. La famille, avant même d'aller plus loin, je constate que vous avez, pour tous ceux qui observent ceci là, la famille, tous ceux qui ont déjà observé ceci dans leur compte, sachez que c'est énormément génial, la famille. Observez ce que cette option signifie tout simplement, la famille. Là, vous voyez, on dit well played. Donc, ça veut dire tout simplement bien joué. Boostez vos gains dès maintenant, la famille. Il demande de booster nos gains dès maintenant. Je vais vous dire comment et à quoi ça sert. Observez, je vais cliquer sur booster nos gains, la team. Observez directement quand je clique sur booster nos gains, il nous donne un avantage exclusif dans les jeux Once Game, la famille. Peu importe le jeu Once Game que je vais venir prendre ici, je vais gagner automatiquement la team. Observez très bien. Observez, je veux tout simplement venir prendre un jeu qui se joue dans la session One Cyber. J'espère que vous tous ici présentement, vous avez la possibilité d'aller dans les jeux de la session One Cyber. Je prends un jeu dans le football, la famille, de la session One Cyber. Peu importe le jeu que je vais prendre, la famille, je vais gagner à coup sûr, tout simplement parce que ces jeux-là, cette option-là est une récompense à mon jeu. Observez très bien ce que je vous dis. Observez très très bien. La team, je vais prendre un jeu qui est presque en cours, qui est en cours. Je prends n'importe quel jeu en cours actuellement. Si observez très bien, je prends encore un jeu qui est encore nul, à la phase nulle à ce moment-ci, la famille. Observez ce que je veux faire. Je prends tout simplement la victoire du domicile. En principe, je dois prendre la victoire du domicile, mais sachez que tous ceux qui me suivent ici présentement, lorsque vous repérez cette faille directement, vous venez prendre la victoire du domicile, peu importe le score. Le sens est que le score est nul, la famille. Vous mettez 250 000 francs là-dessus. Observez très bien, je mets 250 000 francs, la famille. Je ne doute pas, vous vous dépêchez de parier là-dessus parce que une fois que vous avez vu cela, vous entrez dans le jeu, les codes vont commencer à chuter. Ok, vous voyez que directement le domicilier est en train de prendre la main à la famille. Je vous assure que c'est quelque chose qui marche à coup sûr. Je dis bien, souvenez-vous que j'ai dit ici, tous les comptes inscrits avec le code promo Paris 22, c'est la période de distribution des points bonus. On remet des primes actuellement aussi. Tous ceux qui ont des comptes avec le code promo Paris 22 verront cette option dans le compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter que cette option apparaisse dans votre jeu, la famille. Je dis bien, tout ce que vous aviez à faire, c'est de patienter que cette option apparaisse dans votre compte. Tous les comptes inscrits avec le code promo Paris 22, rassurez-vous que vous allez avoir cette option là-dessus. Vous voyez qu'une fois que vous avez utilisé cette option, l'option booster votre compte ou l'option bien jeu là a disparu, la famille. Mais sachez que vous allez gagner à coup sûr, peu importe, la famille. Donc il récompense de deux façons. La façon, en vous envoyant des points bonus comme ceci là, la famille, vous a dit que c'est la période, vous avez à prévenir depuis que voici la période où vous allez recevoir des points bonus. Ou bien ils vont vous donner un jeu gratuit pour vous faire gagner énormément, la famille. Vous voyez que si vous avez la possibilité de voir cette bande verte dans votre jeu, il faut miser directement au moins la totalité des gains parce que vous allez gagner à coup sûr. La seule condition là de ces deux, c'est tout simplement de vous assurer de miser sur des matchs qui a encore un score nul. Les matchs sont déjà, bien que les matchs soient en live, rassurez-vous de miser sur des matchs qui ont un score nul, la famille. Vous pouvez voir que j'ai saisi ma chance directement. Je vous ai dit que tout réside dans la création de votre compte avec le code promo Paris 22. Je le dis bien encore, la création de votre compte avec le code promo Paris 22. Si vous n'avez pas encore vu, dépêchez-vous d'aller remplir les informations personnelles de votre compte, la team. Bref, la famille, j'ai beaucoup parlé ici, j'ai beaucoup parlé. Je passe directement au vif du sujet, la famille. Dans ce tutoriel, je tenais à partager une option incroyable. En attendant que le score de ce match ne sorte, la famille, en attendant que nous ayons le score, je tenais à partager une option incroyable avec vous, la team. Pour ce faire, on va aller tout simplement dans menu, la famille. Dans menu, permettez, l'option domicile est à l'extérieur, la famille. Cette option est incroyable. Il y a une stratégie que vous pouvez mettre sur pied pour faire une montante ou enchaîner des gains successivement dans les paris sportifs, la famille. Il y a beaucoup ici qui n'utilisent pas cette option. Je vous ai dit que cette option est énormément rentable, la famille. Donc voilà, c'est là que je dévoile avec vous ici aujourd'hui. Sachez que si vous avez l'habitude d'utiliser l'option à domicile et à l'extérieur, il y a une stratégie, il y a une autre option dans cette option que je tiens à partager avec vous, la team.
Donc, sur ce, je viens tout simplement là dans le match de football parce que je joue la plupart du temps les matchs de football. Je n'entre dans d'autres championnats, dans d'autres sports que lorsqu'il y a une faille. Je le dis bien. La famille, on va prendre par exemple en premier match de championnat d'Europe parce que cette option ne se trouve que dans des grands championnats. Je le dis bien, dans des grands championnats, soit de la Premier League, soit la Bundesliga, soit la Liga, soit des championnats. Donc, on va là dans le championnat d'Europe. Après ça, je vais aller dans d'autres championnats et vous montrer. La famille, voici l'option à domicile et à l'extérieur. La famille, voici ça, à domicile et à l'extérieur. Beaucoup de gens ne savent pas comment cela se fonctionne. Je vais vous donner toute une explication ici là-dessus. Suivez intégralement la famille et likez massivement la famille. S'il vous plaît, likez, arrêtez-vous et likez la famille parce que tout ce que je fais là, c'est pour le but d'aider ma communauté à grandir et à devenir des magnifiques parieurs et devenir rentable dans les paris sportifs. Car il est possible d'en vivre des paris sportifs, la famille. Je vous assure, faites de votre paris sportifs un métier et vous ne seriez pas dessus. La famille, l'option à domicile et à l'extérieur est une option très puissante, la famille. Si vous cherchez une option qui est simple à gagner sur OneSibet, très facile à pronostiquer, la famille, très facile à faire des montantes, l'option domicile et à l'extérieur est l'option qui est l'idéal à prendre. Alors, je vous explique et je vous explique l'option, comment l'utiliser. La famille, déjà quand on dit domicile à l'extérieur, comme vous pouvez voir ici à la famille, l'option domicile à l'extérieur. Domicile à l'extérieur comporte 3 matchs, lui aussi comporte 3 matchs, c'est-à-dire que l'ensemble des matchs qu'on joue à domicile dans la journée, en date du 15, et l'ensemble des matchs qu'on joue à l'extérieur en date du 15 également. C'est-à-dire que cette option domicile à l'extérieur comporte 3 matchs. Et pour voir les 3 matchs que cette option comporte, vous entrez tout simplement là-dedans. Vous voyez que tout simplement la première cote de V1 est à 1.4 et à l'extérieur est à 4.4, à 4.3. La famille, vous basculez juste à côté comme ça de ce côté si vous voyez les matchs que ça constitue. Observez très bien. Vous voyez que les 3 matchs à domicile à l'extérieur s'y constituent, c'est ces 3 matchs, la famille. La Hongrie va s'affronter contre la Suisse en date du 15. Donc. Et l'Espagne va affronter contre la Croatie en date du 15. L'Italie va affronter l'Albanie en date du 15. Donc vous voyez que voici en concrètement comment ça se passe. À domicile, voici à domicile, comme vous pouvez voir, c'est l'ensemble des matchs de ce côté-ci. À l'extérieur, voilà, à l'extérieur aussi, c'est l'ensemble des matchs de ce côté-ci, la famille. Est-ce qu'on se fait bien, entendre, la famille? J'espère que vous me suivez. Donc, tous les matchs ici comportent l'option, la somme de ces matchs donne la cote de 1.4, la famille. C'est-à-dire que la somme des équipes vont gagner ceux-ci. Donc, il faudrait qu'à la fin, le score qu'on totalise ici, celui-ci soit plus élevé que celui-ci, la famille. Donc, on globalise ces 3 matchs. C'est un peu comme l'obstacle. Constructeur de paris, c'est vous-même qui constituez vos rencontres, la famille. Ici, là, c'est plus simple, la famille. Là, vous avez déjà des rencontres. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir tout simplement l'option idéale en fonction de vos connaissances sur les matchs. C'est tout simplement ça. Et c'est très simple. Je vais vous démontrer ça ici parfaitement que c'est très simple. Donc, vous voyez que là, il y a la Hongrie, il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Ici, il y a la Suisse, il y a la Croatie, il y a l'Albanie. Donc, à première vue, déjà, la famille, sans toutefois aller même pour un bleu, même pour un novice dans les paris sportifs, la personne sait que l'Espagne est une équipe qui a des qualités. L'Italie est une équipe de qualité, la famille. La Hongrie est une équipe de qualité. J'espère que je m'explique de la très bonne façon, la famille. Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi en commentaire de refaire un tutoriel sur ceci parce que je voudrais que vous cerniez parfaitement cette option parce que c'est une série de vidéos que je vous prépare pour que vous puissiez commencer à utiliser cette option. Il y a énormément à partager avec vous dans l'option à domicile et à l'extérieur, la team. Donc, ce qu'on va faire ici présentement, si vous avez compris, je vais passer dans un autre championnat, la famille, pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Donc, observez très bien. Vous voyez que dans cette option à domicile et à l'extérieur, il y a plusieurs options, comme même des matchs normaux. Pourtant, ce sont des options constituées de plusieurs matchs. Celui-ci est constitué de 3 matchs. Donc, vous allez voir ici à ce niveau, chaque domicile à l'extérieur ont le nombre de matchs qui sont constitués. Ils ont été constitués. Donc, observez très bien. On va descendre encore là. Vous voyez que ici encore, il y a à domicile et à l'extérieur. Il y a l'option. Il y a encore ce à domicile et à l'extérieur constitué également de 3 matchs. Si vous regardez bien, il y a constitué de 3 matchs également. Mais vous voyez que à domicile, ici la V1 est à côté de 6 et V2 à 1.27. C'est déjà très intéressant. Ce que je vais faire, je vais entrer là déjà pour voir quels sont les matchs précisément qui ont été constitués ces 3 matchs-là.
Vous voyez que il y a les Pays-Bas contre la Pologne. En fait, la Pologne contre les Pays-Bas, la Slovaquie contre le Danemark, l'Angleterre contre la Serbie. La famille, vous voyez déjà que ici, déjà, voilà, c'est très très facile. La famille, même un mauvais pronostiqueur, je le dis bien, je pèse mes mots. Un mauvais pronostiqueur est capable de savoir que ces trois équipes sont largement supérieures à ceux selon la famille. Concrètement, vous pouvez pronostiquer des scores ici, vous pouvez voir le total plus de buts, total plus de buts de 5 buts, 5 buts. Donc, vous pouvez dire là que tout simplement que l'ensemble de ces matchs peuvent finir comme ça, 2-3. 2-3, voilà le score final par exemple. Ça, c'est un pronostic score exact que je donne en l'air. Donc, c'est un exemple. Vous dites que la victoire ceux de l'extérieur ont remporté cette victoire, la famille, globalement. Puisqu'on somme ces trois matchs qui font l'équipe de l'extérieur et on somme ces trois matchs à domicile qui font l'équipe à domicile. Et sachez que ce sont les matchs qui vont tous se jouer le 16. C'est comme ça, en fait, que l'option à domicile et à l'extérieur se présente. La famille, je vais aller dans notre championnat pour vous présenter quelque chose d'autre. La famille, toujours dans. À domicile et à l'extérieur, donc ce qu'on va faire là, vous voyez que les matchs qui se jouent quand lorsque vous avez en journée un match ou deux matchs, vous voyez que l'équipe à l'option à domicile à l'extérieur n'apparaît pas vraiment, mais cette option reste très puissante. Je vais aller dans Premier League, la famille Angleterre Premier League. Vous allez voir ici que il y a l'option à domicile et à l'extérieur, la famille. Je vous ai dit que ça n'apparaît que dans des grands championnats, pas dans des petits championnats. Et lorsqu'il y a au moins plusieurs matchs, 3 à 4 ou 5 matchs pendant la journée, je vous assure, c'est là où vous allez retrouver l'option à domicile et à l'extérieur. La famille, je passe directement droit au but là, la famille. On observe les matchs qui sont constitués. Vous voyez qu'il y a West Ham contre Liverpool, il y a Hampton contre Luton, il y a Manchester City contre Burnley, il y a Newcastle contre Chelsea, il y a 7 matchs qui vont se jouer en date du 27, la famille. Nous sommes le 15e, nous sommes le 26. Tous ces matchs vont se jouer demain. Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait maximiser ses gains, on viendra jouer dès à présent avec l'option à domicile et à l'extérieur. Voilà l'option que je tiens à partager avec vous, la famille. Cette option est incroyable, la famille. Vous voyez que là, c'est constitué de 7 matchs, la famille. Donc, vous venez ici, là, vous descendez plus bas, il y a énormément d'options. Là, je vais vous donner l'essentiel des options. Total de matchs avec plus. Observez très bien. Total de matchs avec plus. Observez très bien ce que je suis en train d'encadrer. Total de matchs avec plus ou moins de buts. Donc, observez très bien. Si vous ne voulez même pas pronostiquer, si vous ne voulez même pas pronostiquer vos matchs, vos buts sur la totalité des matchs, vous venez là, par exemple, je prends l'option sur la famille, je prends une option, un exemple tout simplement, je prends tout simplement l'option total, plus de 2,5 buts, total 2,5. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la famille, vous pronostiquez tout simplement que sur le total plus de 2,5, plus de 4,5, la famille, c'est-à-dire que sur les 2,5 buts, sur les 2,5 matchs, donc c'est-à-dire que 2,5 matchs, ça veut dire que 3 matchs au minimum, la famille, 3 matchs au minimum. Vous venez vous compter tout simplement là, premier match, deuxième match, dans 3 matchs. Donc c'est-à-dire que dans les 3 premiers matchs, il y aura au moins 4,5 buts. Voilà votre pronostic ici en quelque sorte. Donc vous dites que dans les 3 matchs, 2,5 ici, c'est le nombre de matchs, la famille. Vous dites au moins qu'il y aura, il y aura plus de 2,5 buts dans les matchs. La team, j'espère que vous avez très bien compris là sur la famille. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez ici, total moins la famille, c'est pour dire que dans les 3 buts, il y aura au moins de 4,5 buts. C'est-à-dire qu'il y aura moins de 5 buts dans les 3 prochains matchs qui vont se jouer. Dans les 3 matchs à jouer. La famille, il y a tellement d'options que je tiens à partager avec vous aussi, mais on va le faire dans une prochaine vidéo. L'essentiel ici, la famille, c'est que vous ayez cette option booster vos paris, la famille. Et sachez que une fois que vous avez cette option et que vous êtes inscrit avec le code promo Paris 22, sachez une fois que vous mettez la mise, vous allez gagner à coup sûr. Sur ce, la famille, je vous dis ciao, rendez-vous.